gars. Bon, tu vas bien? Ça va? Ouais, ça va. Et toi? Ah non, mais je suis naze là. Il y avait 27 devoirs à faire pour aujourd'hui. J'ai rien fait de toute façon. J'ai pas eu le temps de bosser. Ouais, la même. Hier, il y avait du foot à la télé et du coup, j'ai rien foutu. Mais par contre, je pensais qu'Alex il sera avec toi là. Je l'ai appelé tout à l'heure, mais il répond pas, donc je sais pas où il est. Ouais, je l'ai vu hier, il était avec son neveu, Enzo. Non, mais tu sais quoi, à tous les coups, ça se trouve, il a rien fait lui aussi du week-end. Et puis, il a plein d'excuses lui, son père, c'est le proviseur. Il aura rien, il aura. Sérieusement? Vous êtes sérieux là? Vous avez toujours une bonne excuse pour rien faire, les mecs. Votre ex de théâtre, vous avez révisé ou non? Ah ouais. C'est ce que je dis. Hey, David? Ouais. T'as vu Océane, toi, hier? Tu veux pas lâcher la femme? Je veux juste une question. Hier, en cours, elle a pété les plombs. J'étais trop choqué. Ouais, le pire, chaud, hein. C'est que personne n'a réagi. Ouais, t'es fou, mais ça m'a trop saoulé, cette histoire. Ça va, elle s'est foutue de la gueule de Camille, c'est rien, c'était pour rire. Pour rire? C'est pas drôle, ça. Tu rigoles, Camille est comme ça. Tu veux que je me foute de toi? Tu veux qu'on se foute de ta gueule pour voir comment tu vas réagir? Oui, oui. Ah, j'ai pas apprécié. Ah, elle a dit à Camille qu'elle avait une tête de mongole, quand même. Mais c'est elle qui a une tête de mongole. Et puis, je suis sûr, c'est une raciste. Raciste? Arrête. Faut pas abuser, quand même. Non, vas-y, c'est de la discrimination, tu vois. Mais... Voilà, elle a peur des handicapés, c'est tout. Procef, elle a dit à Malik, rentre dans ton pays. C'est pas du racisme, ça? Non, faut voir le contexte aussi. Quoi. Sa meilleure copine, elle est rebeu. Elle mérite vraiment des claques, cette Océane, je te le dis. C'est pas parce que t'es des noms. Bon, j'arrive, je veux dire bonjour. Vas-y. Ça va, mon pote? Ça va? Tu vas à ton travail? Ouais. Tu l'as vu aujourd'hui, Alex? Non, j'ai vu le neveu. Ouais, ça va, il va bien. Tu cours à quelle heure ce soir? Et quoi, tu me veux courir avec moi? Bah ouais, ça marche. Genre, tu cours, toi? Bah ouais, et alors? Bon, Léo. Bon. Je te dis à ce soir. À propos, pour appel les pions. Ouais, je vais en cours et puis tu me dis s'il faut que je te récupère. D'accord. En ville. On fait comme ça? Pas de problème. Bon, allez, à tout à l'heure. Allez, à tout à l'heure. Salut, Léo. Salut. 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 Attends, il est tonton, Alex? Et c'est lui, Chamallow. Bah oui. Ouais, il a l'air d'être cool. Bah, il est cool. Non, franchement, son style est trop naze. Ah, il a plus de style que toi déjà. Ouais, bien sûr, je te crois. C'est un truc que je comprends pas là. Lui, c'est ton pote maintenant. Ouais. En début d'année, vous êtes pof toute sa gueule par hasard. T'es malade. Ouais, c'est ça. Avec Alex, tu lui prenais sa casquette. C'est même toi qui me l'a dit l'autre fois. On parlait pas de la même personne, je crois. Voilà. Ouais, en tout cas, votre pote là, le Google, il craint. Hein. Mais franchement, il me fait flipper, moi. Mais dis pas des trucs comme ça, toi. Ça va, c'est mon avis, j'ai peur des handicapés, c'est tout. Ouais, n'en dis pas des trucs comme ça. Tu le connais à peine. Quoi? C'est pas de leur faute aussi. C'est pas de la mienne non plus, ok? Qu'on connaît pas, vaut mieux se taire. Ouais, bon. Putain, c'est mon avis, d'accord? Mais t'énerve pas, Fleur, pourquoi tu t'énerves? Mais il comprend pas. Calme-la, s'il te plaît, Martin, calme-la. Vas-y, tiens, regarde, y a tes potes là-bas. Non, mais vas-y, mais on se rejoint après. Ouais, tout à l'heure. On se rejoint. Qu'est-ce qu'il y a là? Non, mais s'énerve trop facilement, je sais pas ce qu'il y a là. Réaction, des fois tu comprends pas ton j'avais réagi comme ça, j'ai pas compris. Je sais pas son cette fille. Tiens, attends deux secondes. J'ai juste mon dossier à rendre au proviseur. Ah, vas-y, ça marche. Non, mais en vrai, comment elle a réagi, Fleur, tout à l'heure, j'ai cru qu'elle allait te sauter dessus. Ouais, mais elle a dit que de la merde aussi. Et puis elle y connaît rien au handicap, sous prétexte qu'elle a peur. Et puis c'est elle qui a une tête de mongole. Hein. Et puis j'ai pas envie qu'elle sache hein, pour le neveu d'Alex. Pourquoi? Parce que Alex, il tient à ce que personne ne le sache, donc garde-le pour toi. Hein. Ouais. Et regarde, C'est Océane dans le bureau du proviseur. Ah ouais, qu'est-ce qu'elle fout là? Eh les gars, vouloir y aller là? Ouais, non, on arrive. Tu savais, toi, que ses parents, ils s'étaient divorcés? Et qu'elle avait une demi-sœur? Non, mais en tout cas, ce que je sais, c'est qu'elle se fait allumer par le proviseur. Non, mais là, c'est... Ah ouais. Non, mais tu vois, pour revenir à tout à l'heure, je comprends vraiment Alex, hein, parce que t'as vu comment Fleur a réagi par rapport à Léo. Juste ça. Des gens qui... Allez, oui. En cours. Non, on en a juste pour deux secondes, madame. Je donne juste mon dossier à monsieur le proviseur. Non, tu vas en cours, Martin. Ouais, allez, vous allez en cours, tu lui donneras après. Vous n'imaginez pas que cette histoire va en rester là, j'espère. Dire à une personne qu'elle a une tête de mongole alors qu'elle vient de parler de son handicap... C'est bon, faut pas abuser non plus, elle faisait que de me regarder. Océane, ça fait 3 semaines que t'es dans ce lycée. D'accord? Tes notes sont bonnes? Excellentes? Tenez, le dossier pour la sortie du mois de mars. Oui, merci. Eh ben c'est bon, je peux y aller maintenant. Le but, c'est d'avoir des bonnes notes, non? Oui. Alors, toi, ton sourire, tu vas te le garder, d'accord? J'ai téléphoné à tes parents et je les ai convoqués. Crois-moi bien que ton sourire, tu vas te le mettre là où je pense. Comment hein? Vous me parlez, là? Eh ouais, hein, je suis désolée, vous n'avez pas le droit de lui parler comme ça. Oui, alors, déjà, Océane, tu ranges ton téléphone, d'accord? Et toi, t'avais le droit de parler à Camille comme ça?
Vous savez, mon petit-fils est handicapé. Et ton comportement, Océane, me dégoûte. Il y a des gens qui se battent pour faire reconnaître leur handicap. Ils ne devraient même pas avoir à se justifier. Ah oui, non, mais avec tout le respect que je vous dois, monsieur, je m'en fous complètement de ce que pensent les gens. J'ai mes droits, mes libertés. Et si j'ai envie d'envoyer chez quelqu'un, je le fais. Camille est comme ça. Ok, c'est pas de ma faute. Chacun ses problèmes. Charlotte, tu vas en cours. Tu as quoi aujourd'hui ? Théâtre. Très bien. Tu es avec Camille, je crois. Oui. Très bien. Tu diras à ton professeur que je suis avec Océane. Marine, oui. Accompagne Charlotte. Et on réglera ton cas plus tard, Charlotte. Madame, le proviseur m'a dit de vous dire qu'Océane reste encore dans son bureau. On dit bonjour quand même, non ? Merci pour les informations, je te laisse rejoindre le groupe. Madame, pourquoi vous la sanctionnez pas, là ? Vous êtes pas au courant de ce qu'elles ont dit sur Camille ? Non mais grave, mais ça se fait pas, quoi. C'est clair, ça se fait pas n'importe quoi. Moi, j'ai rien dit. Mais Charlotte, t'étais avec elle. C'est exactement pareil, c'est ça que tu comprends pas. On se calme, on se calme. Océane, elle est avec le proviseur, c'est lui qui va régler ça, ok ? Je vous laisse prendre vos textes, on s'y remet là, s'il vous plaît. Non, il a rien du tout, moi je fais pas court. Camille, elle lui a rien dit, vous non, protégez cette connasse d'Océane. C'est de quoi ? Pardon ? T'as dit quoi ? Elle s'appelle Océane, c'est clair pour tout le monde ? Je veux pas entendre ce genre de choses en cours, c'est clair ? C'est quand ça vous arrange le respect d'autrui. Alors, autrui, on dit le respect d'autrui. Et voilà, au risque de me répéter, je vous le dis, moi ce qui s'est passé entre les filles, ça me concerne strictement pas, ok ? Bon, allez, là, s'il vous plaît, je vais pas le répéter 100 fois, on se met au boulot. Non, je fais pas court. Pas que des gens comme ça. Non, mais qu'on s'entende bien, là, les Kurt Cobain, là. C'est pas une proposition, c'est une obligation, ok ? Mais madame, en même temps, Océane, elle a le droit de dire ce qu'elle pense, non ? Mais rentre chez toi ! Bizarre, si je te dis la même chose, on me prendrait pour une raciste. Ah bon ? Parce que t'es pas une raciste, je croyais. Et puis Océane, tout ce qu'elle dit, elle l'assume. Oh ! C'est fini maintenant, là, ok ? Eh, si vous voulez vous batailler, vous chamailler, c'est à l'extérieur du lycée, hein. Vous faites la morale, quoi. Vous avez vu vos comportements, vos attitudes, là ? Ça n'a rien à voir, madame. Nous, ce qu'on fait, là, c'est de la solidarité. Voilà, c'est tout, on fait de la solidarité. Ouais. Camille, elle a un handicap, et alors ? Mais enfin bon, de la solidarité, pas pour certaines, hein. Madame, c'est pas tout seul, on peut faire court. Oh, il y a trop. Ça va, Océane, c'est pas contre le monde, putain, mais... Mais c'est toute seule à penser ça. Entre elles, on va pas faire un débat. Non. Excusez-moi, madame, je peux juste poser une question à Charlotte. Tant qu'on y est, vas-y, hein. Pourquoi tu défends Océane, toi ? Je te comprends pas, là, Charlotte. Parce que... J'ai peur, enfin, non, c'est pas que j'ai peur du handicap, mais c'est que je le connais pas. Et puis Océane, c'est ma pote, ok ? Elle est peut-être allée un peu loin. Ouais, bah peut-être un peu trop loin. Mais hein, c'est avec elle que vous devez vous expliquer, pas avec moi. Ouais, mais... C'est facile. Enfin, t'étais avec elle, enfin, tu pouvais lui dire directement qu'elle déconnait. Oui, voilà. Ouais, je sais, mais c'était drôle sur le moment. Et puis, je pensais pas que tu le prendrais mal, Camille. Écoutez, c'est très bien de vouloir défendre votre camarade, mais là, va vraiment falloir qu'on avance. Je crois d'avancer avec des gens comme ça. Mais madame, c'est pas bien de se moquer à la tête des gens. Non mais je sais bien Camille, et puis je pense qu'Océane devra présenter ses excuses, c'est normal. Bonjour madame, je suis désolée, Charlotte a dû vous dire que j'étais avec le proviseur. Je sais, ça me dégoûte, incroyable. On accepte des gens comme ça dans les cours. Soyez pas étonnés, après si ça part en vrille. Je suis d'accord. Non mais c'est... C'est de menace là. Bon, Martin, tu vas te mettre devant nous. Tu vas nous expliquer ce qui s'est passé, pourquoi t'es pas content. Océane est là, donc en plus on pourra voir ta version, ok ? Je reste là. Oui, c'est très bien. Vas-y, je t'écoute. Ouais, bah, Océane, avant-hier, ou hier, je sais plus, on s'en fout. En cours, quand Camille est venue parler de son handicap, de sa trisomie, c'est ça.
Eh ben, Océane, je l'ai entendu dire, en gros, elle nous fait chier, cette mongole. Et... Ok, non, merci pour les détails. T'es sûr des propos d'Océane? Je suis certain. Océane, tu veux ajouter quelque chose? Ah non, j'ai rien à dire. Oh non, mais c'est trop facile de dire ça! Comment elle se la pète? Attends, mais... Vous me faites rire, là, avec vos histoires de solidarité? Toi, Martin, quand tu traites David de négro, c'est pas de la discrimination, ça? Et toi, Morane, quand tu traites Adeline de dyslexique, ça, c'est pas de la discrimination? Et puis toi, David, quand tu nous traites de Babtou, c'est pas de la discrimination? Ah, et en plus de ça, David, quand on m'a dit qu'avec Alex, vous vous foutiez d'une personne handicapée dans le bus. Tu rigoles ou quoi? Ils sont enfermés dans les hôpitaux à jouer et à dessiner toute la journée. Des vrais gogoles. Ça, c'est pas de la discrimination. Alors arrêtez de me faire passer pour la méchante, là. Alors que vous-même, vous foutez de la gueule des gens. Puis j'ai pas à me justifier. Vous me faites rire, là, avec votre morale. Madame, l'autre fois, ils rigolaient tous sur la tête de Camille. Et là, ils la défendent. Mais madame, le fait d'être con, c'est un handicap, non? Je pense que les gens qui se moquent sont cons. Vous savez, quand j'étais petite dans ma classe, je me suis sentie toujours normale. Je n'ai pas décidé, c'est comme ça, c'est la vie. Il faut prendre le temps de vivre et laisser les gens se moquer. Mais il faut les punir, tu crois pas? Je ne sais pas. En tout cas, c'est leur donner de la confiance. Alors je les ignore. Océane, je t'en veux pas! Madame, je peux dire quelque chose? Bon, ok, Océane, l'année dernière, je me suis moqué d'un handicapé. Mais aujourd'hui, j'ai un pote qui a un petit neveu qui est handicapé, et puis je peux te dire que ça a changé mon regard. Et ce qui me dégoûte, Océane, c'est que tu me fais penser à moi l'année dernière, quand je me moquais de Chamallow. Chamallow, t'as rendez-vous avec Kidana comme toi ou quoi? Eh ouais! Ah, le beau gosse! Eh ouais! Ouais, pardon. Tu sais qu'il s'appelle Léo quand même? Oui, enfin, Léo, je sais, c'est mon pote maintenant. Non, mais oui. Tu sais, on a tous des défauts. Personne n'est parfait. Enfin, Océane, ce que j'essaie de te dire, c'est d'essayer de changer ta façon de penser. Bon, merci David pour ta conclusion. Du coup, je vais vous libérer dès maintenant. On se retrouve jeudi. Mais que ce soit bien clair, je ne veux plus jamais entendre parler de cette histoire en cours. Ok? Merci à tous. En tout cas, Camille, super ton intervention. Hein. Merci à toi aussi de changer ton regard. Mais c'est normal. Hey, c'est que j'ai failli tomber amoureux de toi, mec. Non, mais c'est tombé. Hein. Elle a raison, Camille. On lui donne trop d'importance, faut juste pas la calculer. Moi, je suis d'accord, on la calcule plus, hein, c'est bon. Non, mais elle m'énerve. Ouais. Je promets, ouais. Elle me saoule. Non, mais ouais, carrément. J'en ai marre. Elle vient d'arriver. Mes parents arrivent et je suis désolée, mais de lourdes sanctions vont être appliquées. Est-ce que tu en es consciente? C'est dommage, tu sais. C'est vraiment dommage de le prendre comme ça. Mais c'est vous qui n'essayez pas de comprendre. Vous criez à chaque fois. Comprendre quoi? C'est quoi ton délire, là? Comprendre quoi? Non, mais rien, bref. Hein? Ha! C'est le monde à l'envers, maintenant. C'est toi la victime. Oui, entrez, oui. Monsieur Ménard, est-ce que vous pouvez venir? J'ai un problème, s'il vous plaît. Oui. Merci. Maman? Je suis rentrée. I wanna know.
Attends un petit peu, Léo, là. T'as combien de tours, là? 10. Oh, je suis à 3, là. À pas l'ouf. Ah, t'es comme ça, toi. I wanna get